Je m'appelle Catherine Schmider, je suis fondatrice et coordonnatrice de l'association Déclic CNV Éducation. Déclic, c'est une association pour promouvoir la CNV dans l'éducation. Pour ce premier forum, il y a 80 personnes inscrites qui viennent de un peu toute la France. Elles représentent les différents milieux éducatifs. Pour le moment, une grande majorité fait partie du milieu scolaire. Le rêve avec ce forum, c'est à la fois de pouvoir mettre en lien tous les acteurs éducatifs qui se connaissent entre eux, qui sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, et puis d'accélérer l'expérience collective. Pas la peine que chacun réinvente l'eau tiède dans son coin, ce que quelqu'un a créé d'un côté, ça peut servir les autres. Et on va aussi rassembler tout ce qui se partage dans les ateliers. Donc, il y a vraiment ce côté partage d'expérience et soutien mutuel. À chaque fois qu'on a fait des rencontres, on a vu comment les gens repartaient régénérés, redynamisés. Il y a un autre objectif qui est de rendre visible tout ce qui se fait aujourd'hui avec la communication non violente dans l'éducation et comment ça soutient vraiment les intentions éducatives de chacun. Toutes les structures éducatives ont des super projets pédagogiques où à chaque fois la bienveillance est au cœur, l'épanouissement de l'enfant est au cœur. Et dans la réalité, nos habitudes éducatives, nos habitudes dans la relation et dans l'autorité ne servent pas exactement nos intentions. Et là, l'idée, c'est de montrer qu'on a vraiment une approche des outils qui soutiennent ça, qui permettent ça. Que ça puisse toucher à la fois les professionnels d'éducation qui sont sur le terrain et qui, des fois, sont découragés face à la réalité de ce qu'ils vivent, et toucher à la fois les institutionnels qui, eux, sont là à mettre en place les politiques éducatives. Et donc, c'est pour partager que c'est possible avec des témoignages très concrets. Si vous êtes professionnel de l'éducation et que tout ce qui se partage, ça vous intéresse, contactez-nous. On offre déjà des multiples possibilités de formation. C'est fondamental de vivre les formations parce que là, on pratique vraiment. Nous développons de plus en plus des formations spécifiques pour chaque fonction éducative. Contactez-nous pour trouver ou nous inciter à développer des formations qui vous correspondent. Nous voulons vraiment contribuer à des transformations à grande échelle et accompagner des projets éducatifs à grande échelle, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Les récents attentats, tant en France qu'en Belgique et ailleurs, nous font cruellement comprendre que tout citoyen a besoin d'apprendre, dès la maternelle, à comprendre qui il est, comment il se sent, ce que cela dit de lui, à savoir distinguer ce qu'il aime et l'enchante de ce qui le déçoit et pourrait le désespérer, avant d'accumuler des colères et des frustrations qu'il finira par faire payer aux autres. Voilà une des missions de l'école d'aujourd'hui. Enseigner la pacifique action de soi.